ses recettes sucrées et ce sera pour faire des mini cakes marbrés. Il nous faut de la farine, du sucre, un yaourt, du sucre vanillé et de la levure, un peu de cacao en poudre, 3 œufs et de l'huile. Pour commencer, je mets mes 3 œufs dans un saladier que je viens battre. Ensuite, j'y ajoute mon yaourt et bien sûr, je garde le pot pour les mesures. On mélange un peu. Vient maintenant le tour de la farine, donc il faut 3 pots de yaourt. C'est parfait pour la farine, on vient mélanger un peu. Maintenant, on ajoute la levure. Un pot de sucre. Alors moi, je ne l'ai pas assez rempli sur la vidéo et je l'ai senti au goût, donc mettez bien un pot de sucre. Puis, un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez même mettre de l'arôme de vanille si vous aimez ça. On mélange bien la pâte. Une fois que c'est fait, je viens mettre un demi-pot d'huile. Et on remélange. Une fois que l'huile est bien incorporée, je viens prendre un petit bol et je verse une partie de ma pâte à l'intérieur. Ça va nous servir à mettre le chocolat dans l'autre partie pour pouvoir faire le marbré. Je viens mettre une bonne cuillère à soupe de cacao en poudre. Une fois le cacao bien mélangé, je viens prendre mon moule et je viens donc alterner les couches, donc un coup de la pâte nature. Et après, je viendrai mettre la pâte colorée et au goût de cacao. Donc, il n'y a pas vraiment de technique. Moi, j'avoue, j'ai fait ça un petit peu au feeling. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des techniques qui font un marbré impeccable. Je serais contente de le savoir et je testerai pour la prochaine fois. Mais là, vraiment, c'est un peu... vous en mettez un peu... Vous voyez, il y a des endroits où j'en ai mis beaucoup. D'autres où j'ai mis à peine une cuillère. Enfin, c'est vraiment comme vous le sentez. Mes moules sont remplis, je tapote un peu le fond et ensuite ça part au four pour 30 minutes à 180 degrés, four qu'on avait déjà préchauffé avant évidemment. Et voilà, si cette vidéo est terminée, vous voyez c'est très très simple et franchement pour un petit goûter c'est super bon et rapide à faire, donc je vous le conseille. Je fais plein plein de bisous et je vous reviendrai avec une nouvelle vidéo. Bye !